nous devrions réécrire notre contrat social, réécrire notre constitution de façon à pouvoir changer le type de monnaie avec lequel nous travaillons. Pour que ce type de monnaie ne soit plus une monnaie dette, ne soit plus une monnaie payante, ne soit plus une monnaie privée, ne soit plus une monnaie rare. Et alors pour qu'elle soit plus rare, le revenu de base ou le revenu universel ou le salaire à vie, donc les différentes modalités que nous sommes en train, enfin que les différents spécialistes sont en train de mettre au point, d'essayer d'affiner, sont différentes hypothèses qu'on pourra travailler dans un deuxième temps, mais alimenter chacun des humains parce qu'il est vivant d'un nombre de signes monétaires minimum pour faire marcher. Ça, à la fois, ça assurerait la dignité des gens et en même temps, ça ferait tourner la machine à coup sûr. C'est-à-dire qu'on éviterait ces crises de surproduction insensées qui sont caractéristiques du capitalisme depuis des siècles.